Donc on est reparti. Je me suis un peu fait, je me fais un peu avoir par les rires de certains au niveau de la connexion, mais apparemment ça a l'air d'aller. Désolé pour les deux joueurs à qui j'ai dit d'arrêter un petit peu. En tout cas, on en est à un partout. Voilà. Un kick. Voilà, c'est les phases habituelles de Harry, hein. Un kick, 9 kicks, voilà, bien joué le 2-3-6B. 6-6B que c'est passé. Hop, le loup derrière, le loup en PO. La bombe, c'est gardé. Voilà, faut punir. C'est bien ça. Il fait tout ce qu'il faut là. Il punit bien les coups. C'est bien de la part de Harry. La chope pour terminer, premier round. Bébé. La chope. Voilà. Allez, on a le mangame à la relever. Ça, c'est bien ça. Voilà. Alors, autant vous dire clairement que moi, ce soir. Oh, bien joué. Ah, dommage, le 2-3-6B qui n'est pas passé, il aurait pu sortir. Je disais en effet que moi, les commentaires, ça allait être complètement à la cause de Harry. Hein. Ouf, attention, là, ça a failli sortir, là. 6-6-A. Le sergent Jason, il met tout ce qu'il peut pour pas perdre ce match. Oh là 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 là, par contre, là, il est bien revenu. Et voilà le 2 qui prend. Putain, c'était très très chaud pour Harry. Il a pas voulu mettre un coup. Voilà, allez. Oh, bien joué le Just Guard. Malheureusement, il n'y a pas une punition derrière. Bien joué ça, par contre, la punition. Côté d'Harry, il est bien parti dans ce match. Il mène par 2 ou 0. Bien joué le 2-2 kick, le 2-3-6B derrière. Allez, comment il va terminer? Oh, bien joué ça, de la part de Sergent Jason, là. Il est passé derrière avec 1-6-6B. Ravage. Allez, comment ça va se terminer? Oh, bien joué la punition du 6-A. Voilà, en effet, il punit tout. C'est tout ce qu'il faut faire. Le AA6 de Natsu est punissable par Pira au 2-3-6B. Il a bien fait sa punition. Il a bien terminé le match. Et on en est à 2 matchs à 1 pour Harry. Ah, en effet, hein, moi j'ai. lorsque j'ai su que le match serait Harry contre Sergent Jason, j'ai donné tous les conseils qu'il fallait à Harry pour gérer Natsu. Après, je lui ai dit que maintenant c'était à lui de voir, qu'il faut qu'il s'entraîne contre des joueurs de Natsu, tels que Rock ou Life. C'est ce qu'il a fait, semblerait. Et là, apparemment, ça semble payer. Il a piqué bien son match-up. Maintenant, c'est en 10, tout peut arriver. Mais en tout cas, si. Harry est à cheval au niveau des punitions, ça risque d'être extrêmement compliqué pour Sergent Jason. Surtout que Sergent Jason n'aime pas trop le online. Voilà, bien joué la punition du A plus B au AA. Ah, en effet, ça commence à devenir compliqué pour lui. Voilà, bien joué par contre ça. Hop, le counter, boum boum, le counter derrière. Oh, le assist, le combo là. Ah, dommage, le relevé kick est pas passé, ça aurait pu faire très très mal. Faut qu'il fasse attention par contre Harry derrière les murs. Parce que voilà, en effet, il va balancer du A6. Et ça rate les combos du côté de Harry. Et bien joué. Ah, par contre, quand Harry est. Quand vous êtes dos au mur contre Sergent Jason, faut faire extrêmement gaffe. Il délaisse et A6. Ou il balance un GI et après il te met A6. Il faut absolument sortir du mur de façon très safe. Sinon, c'est un peu la merde. Un round partout, allez, on est reparti. Voilà, plus B. Ah, dommage, il a pas mis le 2-3-6-B là-dedans. Oula, c'est E. En effet, ce qu'il faut. À mon avis, ce que j'avais dit à Harry, c'est que dans ce match, il faut qu'il utilise sa barre pour la CE. Et voilà, en effet, quand il va se prendre des 6-6-B, ou quand il va prendre un H plus B6, il punit à la CE et ça va tuer toutes les options. Voilà, bien joué le 2-2 kick avec le 2-3-6-B derrière. Le Just Guard, ça n'a pas eu de punition derrière. La chope, c'est déchopé. 6-6-A, ça passe dans la garde. 2-A, un kick. Allez, faut mettre la pression, cher Harry, pour gagner ce match. Ah là, la chope SP, ça va faire mal. Allez, ça vient un peu dans ce match. La bombe, c'est paré. 6-6-A. Oh là là, le relevé B qui est passé counter. Là, ceux qui va aller derrière. Boum, 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 la chope. Oh non, il fait une deuxième sub. Mais pourquoi? Pourquoi il a fait une deuxième CE? Il fallait pas, la chope aurait suffi.
Oh là 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 là, bon c'est pas grave, il a quand même pris son match, mais pourquoi la double CE, il fallait balancer la chope, ça aurait sûrement tué, et à mon avis après il aurait pu avoir une barre. Ah oh, voilà, bien joué la punition de la CE, c'est ça qu'il faut faire, il faut qu'il garde sa barre pour la CE, bien joué la chope. Allez maintenant un dernier man game pour terminer, un dernier janken, un kick, hop, la chope qui est déchopée, le 6-6, ah et voilà, 3-1 pour Harry. Qui est bien parti dans ce match. Donc à mon avis, apparemment, Rock dit qu'il n'aurait pas tué, mais même s'il n'aurait pas tué, à mon avis, je pense qu'il aurait dû faire la chope, parce que utiliser deux barres comme ça, alors en fin de vie, c'est vraiment dommage de la part de Sergent Jason, il aurait dû garder sa barre. Même s'il s'aurait pas tué, il aurait eu un dernier petit man game et à mon avis, je pense qu'il aurait pu le gagner facilement. Là, il a utilisé deux barres pour rien, il se retrouvait sans barres au dernier round là, c'est dommage. Et malheureusement, il a perdu le match. On en est déjà à 3-1 pour Harry. Son zone sait qu'il est fort, il peut revenir. Mais si Harry, il est bien à cheval sur ses punitions comme ça. Oh là là, bien joué ça par contre là. Le POB qui est passé, bien joué la punition du whiff encore une fois au 6-6B. La chope, c'est pas passé, 6-6A, 3 plus B, 6-6B, ah voilà, en effet, quand il a, quand le A plus B, il voit qu'il est puni, il va faire A plus B 6, ah le Just Guard qui a foiré, ah c'est trop risqué à mon avis, je pense qu'il devrait pas, il devrait peut-être prendre le coup dans la garde, voire tenter un GI, beaucoup, ce sera beaucoup plus simple, et voilà, la punition de du relevé kick au AA, premier round pour... Sergent White. Non, pour Harry. Relevé kick, un kick. Voilà, la bombe. Voilà, c'est pas relevé. Punition bébé du whiff là. Allez, la punition 2-3-6-B. Voilà, c'est ça. Allez. Oh non, il s'est pris la bombe. Hop, A plus B derrière. La bombe encore une fois. La chope qui est déchopée. A, 2A, 3B. Ah là là, c'est bien puni au A plus 6. 2-2 kick, bien ça, avec le 2-3-6. B6 derrière. Ah, dommage, le A6 a caforé. Oh là, le petit pixel de vie qui reste. Et le 2B pour terminer. Bien joué de la part de Sergent Jason. Ah, ah, ça passait, ça n'a pas puni. Ah, à mon avis, comme maintenant, il est... Oh, bien joué, le 3B avec la CE. Comme maintenant, Sergent Jason utilise le A plus B6, il va falloir que... En effet, il va falloir qu'il utilise la CE en punition. À mon avis, là, il a une barre. Donc, dès qu'il se prend... Voilà, bébé. Hop, ça a touché counter. La bombe à la relever. Ah ah. Un kick. Dommage, il n'a rien pour punir. Bébé. Bébé encore une fois. Et voilà, deuxième round pour Harry. Bien joué le 3B, ça. En contre, voilà, avec la CE derrière. Boum. Voilà, allez. Faut pas se faire attention, faut pas se faire arnaquer, il a une barre, voilà, c'est ça. Attention, il va absolument essayer de voler. En plus, il peut. Le route est assez court, donc il va tenter des chops. Il va tenter des chops, voilà. Hop. Oh là là, attention, le POB, ça fait très mal ce coup. Et le 2-3-6B en punition. Voilà. Bien joué de la part de Harry. On en est à 4-1. Alors là, c'est. Harry là est. Il applique très très bien le match-up. Un match-up qui est très mauvais hein, pour Natsume quand même. Et là, c'est sur des zones qui est un peu perdu. Ah, mais en tout cas. Non, mais c'est normal, Rosa. Harry, c'est un avalanche. Les commentaires, ils allaient pas être neutres. C'est normal. Donc, je suis complètement à la cause de Harry. Hein. Y a pas de souci là-dessus. Bien joué là, le Just Guard avec la chope derrière. Harry, sur une zone qui se met de l'autre côté. Oh, bien joué la punition de la chope là. 3 plus B, c'est bien fini là. La chope, hop là, je te montre ma culotte. Un kick là, bien joué la punition de la chope. Il aurait dû mettre quelque chose de mieux. Allez, pour l'instant, avantage pour Harry, ça se regarde de côté. 6-6, ah. La chope de côté, bien joué ça. Il va avoir Mind Game à le relever. La bombe est bien jouée, il s'est relevé avec un relevé kick.
pour éviter la bombe. Premier round pour Harry. Relevé kick, c'est puni. Deux kicks. Bébé, la bombe. Oh là là, bien joué le 2-3-6-B là. Hop, je te prends dans ça dans le vent. Hop, relevé. Bien joué encore là. Oh là, il est chaud, Harry, il est chaud. Aïe, 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 il lui met tout. Et Sergeant Jason, il arrive à rien faire. Là, on a Harry très bon là. Le 9 kick. Ah. 2B, 6-6-A. Bien joué le 2-2 kick. Encore une fois, ça c'est un coup très chiant dans ce match-up. Le 3B, CE derrière. Oh là 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 là. Très bon avantage de la part de Harry là. Il va terminer ce match. Bébé, ça passe dans la garde. Attention, faut pas se prendre de trucs bêtes. Voilà, il va tenter des A6 pour essayer de le voler. Hop. Tac, la bombe. Il va mettre la pression. La chope. Et voilà, on en est à 5-1. Et bah dis donc. Là, j'aurais pas cru que ce serait un match aussi rapide. Là, je pensais que ça aurait été plus serré que ça. Mais là, on a Harry qui est complètement en liche, qui met tout à Sergeant Jason. Et Sergeant Jason n'arrive absolument à rien. Ah oui, en effet, Boy Bosquezo, ça sent le viol. Bah, j'espère quand même que Sergeant Jason il va montrer un autre visage d'ici les prochains matchs, parce que bon, ça risque d'être vraiment compliqué. Hein. C'est vraiment mal parti. Harry, il joue très bien. Voilà la punition au 2-3-6-B sur le 6-6 kick. Hop, 6-6-B, ça passe là. Hop, le lot, c'est pas mal puni. 6-6-B encore une fois, 2-3-6-B dedans, oh là là, c'est vraiment très compliqué hein, pour Sergeant Jason. Hein. Tous les coups les plus utiles de Natsu se font punir. Donc c'est ce que j'avais conseillé. Ah voilà, le bébé s'est passé dans la garde, là il a voulu choper pour essayer de le sortir, mais bon voilà. Comme je disais, c'est que tous les coups les plus utiles de Natsu se font punir. Si l'adversaire en face il connaît toutes les punitions à mettre, et bah ça devient super compliqué pour Natsu. Je me rappelle dernièrement dans les derniers défis de Sergeant Jason quand il a fait les matchs contre Dina, il a pris la sauce hein, Sergeant Jason. Et là il est en train de la prendre contre Harry là, Harry qui a bien bossé son match-up. Et le 3A pour terminer. 2 rounds à 0. Oh là là, c'est tellement compliqué pour Sam Jason. Là, j'en suis carré, j'en suis limite désolé pour lui. Bien joué la punition à A. La chope, encore une fois. Oh là, il est complètement perdu. Ah, oh, bien joué le relevé B counter. A 6B, A plus B. Hop. Bien joué le 3 plus B encore. Là, la glissade, c'est bien puni. Hop, le 4B avec le 3. Non, à derrière, 3B. Ah, il a rien mis derrière. À mon avis, je pensais qu'il allait avoir la CE, mais il a rien mis. 2-2 kick. 2-2 kick encore une fois. Oh là là, c'est les phases à pas connaître. Il a pas mis le 2-3-6-B derrière. Est-ce que ça va lui coûter le match? Et oui! A plus B, et voilà. Ah, voilà. Il faut pas faire d'erreur comme ça, Harry. T'as mis ton 3B, tu mettais le 2-3-6-B, c'était terminé. Et là, tu t'es fait avoir. Oh là là, dommage, il a pas confirmé le counter. Oh là là, il s'est pris le POB. Hop, il s'est pris encore un counter, la bombe derrière, voilà, se relève pas. Hop, le A plus B qui touche en whiff là. Ah, là il est unleash là, c'est un jeune, il essaie de s'en prendre. Voilà la punition, la CE. Boum, voilà, c'est bon ça. Hop, on revient bien. Le 3B, le 2-3-6-B derrière, voilà, on rate pas son combo cette fois-ci. 2-2 kick, la chope c'est déchopé. Bien joué encore le 2-2 kick, 2-3-6-B derrière avec le kick derrière, et c'est terminé. Voilà, on en est à 6-1, et bah dis donc. Alors là, je suis. Même si je suis pour Harry pour ce match, alors là, je suis assez stupéfait de la prestation de Sergeant Jason. Alors là, c'est. Là, je pensais que Sergeant Jason nous fera un meilleur match, mais là, il est complètement acculé. J'ai l'impression qu'il peut tout simplement rien faire dans le match. Il n'arrive absolument à rien.
Je suis assez surpris. Voilà, 6-6-A, bébé. 6-6-A encore. Ouais, il a changé de tenue. Sergent des zones, carrément, il s'est mis. Peut-être qu'il était mis un petit peu plus sérieux. A6, 6B. La Shopka, où il fait 2-2B, 2-3-6B derrière. Et il utilise tous les coups qu'il faut, Harry, dans ce match-up. Oh là, la bombe par contre qui est passée. Avec le pressing derrière. A plus B. Ah, c'est pas puni. Il fallait punir ce coup-là. Hop, voilà, le A6, le 6A qui. La Shop en SP qui est passée. Et premier round pour Jason. Va falloir qui joue mieux. Notre sergent Jason, ensemble, il est bien parti dans ce match. 6-6-B, c'est pas puni. Ah, par contre, pour l'instant, là, il voit qu'il punit plus parce qu'à mon avis, il voit qu'il faisait le. Voilà, 6-6-A. Il faut qu'il tente des 2-3-6-B. Ah, oh, bien joué la punition du whiff là. Allez, on met la pression, bébé. Hop, voilà. 2-3-6-B. Oh, bien joué le 6-6-B là pour punir le 2-2 kick. Oh là là, c'est vraiment tellement chiant dans ce match-up le 2-2 kick de Pyra. Et ça permet de, à Harry de revenir à 2 rounds partout. Un round partout, pardon. Hop, 3-B, CE derrière. Boum, boum, paf. Et la Chop SP. La Chop Bravage qui n'a pas fait attention. Et voilà, il se prend la Chop Bravage et là. Là il revient bien, bien joué la punition de la bombe là. BB, la Chop, 6A, 3 plus B, 2 kick, BB. Hop, oh là là, la punition là, perfecte. Parfait, pardon. Deux rounds partout, la punition là. Hop, bien joué le 2 kick encore une fois. Un kick, 6-6-B. Oh là là, punition, 3-B, la CE. Boum, boum, paf, allez. Voilà, il va se mettre au milieu du terrain pour pas se prendre de conneries là. BB, 2 kick de 2A. Voilà, pour l'instant tout passe dans la garde. Oh là là, ça oui de côté. Bien joué là, le 6A, le 9A, pardon. Voilà, on va essayer de mettre la pression du côté. Hop, la punition s'est pas passée. Tac, bien joué, la bombe, on se relève pas. 6-6-B, oulala, là là. Attention, la chope de côté qui est pas passée. 6-A, BB, 2 kick qui est pas passé, la bombe. Oh, le A plus B, dommage. 6-6-B, PO et dash AA. On en est à 7-1. Oh là là, là c'est un véritable carnage. Alors là, j'ai. Je suis assez surpris, je dois vous avouer. Même si ça m'arrange très bien, hein. Moi je suis pour Harry. Très bonne application du match-up, il n'y a pas de souci. Mais alors là, sans jeune, je pensais qu'il jouerait mieux. Mais alors là. Ah oui, je suis complètement ravi, c'est normal, c'est Harry. Moi je suis pour Harry moi, mais bon. Moi je veux quand même des matchs, je pensais que ça aurait été plus équilibré, j'aurais même pensé que bon, ça aurait été très dur pour Harry. Mais alors là, une totale maîtrise de Harry là, c'est vraiment très très bien. Encore une punition 2-3-6-B là. Bien joué la Chop SP là. Hop, le 2 kick. BB, relevé A, BB encore une fois, et le 1 kick derrière. Aïe 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 aïe, il prend la sauce, hein. C'est tellement chaud. 6B, 6B, hop. Et bah dis donc, Sergent Jason qui disait en taunt Harry c'est qui, et bah maintenant il doit le savoir là, c'est celui qui lui fout la pâtée. C'est celui qui les met la misère. Harry, c'est le mec qui te met pour l'instant 7-1. Donc il va falloir que tu fasses quelque chose. Hein. Oh là là, le 3DCE. Allez, attention, faut pas faire n'importe quoi. Il peut te mettre une chop bravage là pour essayer de te voler. Oh, et bien joué la punition de chop. Oups, les 2 rounds à 0. Donc bah on voit qu'il y en a un qui a bossé son match-up plus qu'un autre. Hein.
Voilà, bien joué le 6-6B qui est passé là. Ah, dommage, ça punit pas. 2-3B, hop, à 6 derrière. Boum. Hop, voilà, on fait les dégâts garantis. Le kick A. Il cherche le vol, Harry. Un kick, 9 kick, 3B ça passe dans la garde, double Z, bien joué la punition là. 6-6B c'est passé, hop, voilà, le 3-2-3B qui est passé en garde est bien puni pour de la part de Sergent Jason. On en est à 2 rounds à 1. Oh là là, bien joué la Shop Spé là pour sortir. Et là, Sergent Jason qui revient à 2 rounds partout. Bon allez Sergent Jason, ce serait cool que tu reviennes quand même, histoire qu'on ait un match un peu plus long. 2-3-6-B. Oh là là, le 2-2 kick là. Qui passe avec le 2-3-6-B derrière. Oh, bien joué la punition là. Hop, allez, il va mettre la sauce. Tac, tac, tac. Boum. Oh, il a cherché une sorte de tech trap sûrement. Ça a pas fonctionné. Bien joué la puce B. Oh, ça aurait pu sortir, dommage. Allez, attention, faut rester tranquille. Oh là là, il met toute la sauce, il utilise tous les grillages de prio. 3 BCE. Attention, comment ça va se terminer cette fin de match? Toujours un petit avantage. La chope qui est chopée, 3B. Oh là là, dommage, il a pas puni. Il aurait été à distance pour punir. Et le 2 kick derrière. Oh là là, Sir Jason, il a pas pris sa chance là. Et on en est à 8-1. C'est dommage là sur le 3B, il aurait pu le punir parce qu'en général Natsu est pas à distance pour punir le 3B. Mais là, comme il était dos au mur, il y avait peu de pushback et donc il aurait pu mettre peut-être un 6 pour terminer le match. Et malheureusement, il ne l'a pas fait. Et là, on en est à 8-1. Oh là là, c'est une véritable boucherie. Hein. Ah ah, oh bien joué la punition de 3-6-B. Voilà, Sergent Zen il sait absolument pas quoi faire là. Un kick. Voilà, il est obligé. Même quand son 6-A passe en counter, il a peur de mettre le B. Ah voilà, là il a mis le B, par contre il a confirmé. Oh là là, c'est tellement compliqué, il met des coups pétés, malheureusement, ça marche pas contre... Ah ben, je par contre là, il prend le premier round, Sergent Jason. Ah ben, on a un rouge juif sur le chat, c'est bien ça. Oh là, par contre, là, il s'est pris la bombe, là, à la relever. Pour l'instant qui mène bien là, Sergent Jason. Le 9 kick, le 2 kick, 3 plus B, 1 kick, 3B, c'est passé dans la garde. Oh bien joué ça, le PO qui passe derrière avec le kick, qui chope. Ah oui, en effet, oui, bah de toute façon ils ont pas l'habitude de jouer ça, d'habitude ils ont pas l'habitude de voir ces coups là punis. Mais alors là, quand on se retrouve contre des persos à punition tels que l'Alexandra, on fait moins les malins. Voilà, pour l'instant là, Sergent Jason est bien parti dans ce match là pour l'instant. La chope du côté d'Harry qui est passée, le main game à la relevée, voilà, il va essayer de sortir là. Oh là là, 3-6-B, à mon avis il aurait dû peut-être tenter le 6-6 kick. Ah ah, BB pour terminer, des phases à la Dina. Et voilà, premier round pour Harry. 6-6-B, ça passe dans la garde. 3-B, la CE. Paf, paf, bim. 3-B, là, ça passe dans la garde. Oh, le 3-B encore, la CE. Là, il prend un bon avantage dans ce round-là. Tac, allez, comment on va terminer? Oh, voilà, il s'est pris encore ce coup-là. Et la chope. Voilà, le petit vol. On aurait dit moi. Ah, par contre, il faut qu'il fasse gaffe quand même, Sergent. Faut qu'il fasse quand même un peu gaffe. Harry, il se prend beaucoup de chopes là en ce moment, les chopes Bravage. Et à mon avis, je pense que Sergent Johnny, il va essayer d'en jouer là-dessus.
Dès qu'il va avoir un stage avec des ring out, hop, dès qu'il aura le moyen de la placer, il va la mettre. Ah oui, on veut bien ne pas sous-estimer Jason, mais pour l'instant, il est quand même mal parti, hein. Un kick, ça touche counter, un kick derrière, un kick encore, la punition au 4B, voilà, c'est bien ça. 6-6-A, 6-A, bien joué la punition là. Ah, je pensais pas que ça passait ça. Le A6, le low, le punition 2-3-6-B. 6-6-A, le just guard derrière, oh dommage, il aurait pas me dû mettre une chop. 6-6, le 9, 6-6. Allez, on est plus qu'un petit dernier man game pour Harry. Oh là là, attention, il se prend des coups. Comment ça va se terminer? Oh là là, il prend tout. Là, c'est Harry. Oh, bien joué de la part de Sergent Jason, là, qui... Ah, peut-être le réveil de Sergent Jason, c'est bon, ça. Ça nous promet peut-être un match plus long. Oh, bien joué le 2-3-6-A. 6-6-B, voilà, bien joué. Ça, c'est le nouveau combo qu'avait trouvé Dina. 6-6-B, 2-B-B. C'est garanti, on peut pas air control. Oh là là, le 2-2 kick. Oh là 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 là, la punition là, une bonne ponction lombaire là. Allez, la chope. Un kick derrière. Ah, ça whiffait la bombe. Paf, paf, paf. Allez, on fait quoi? Hop, une chope derrière. Il va garder sa barre sûrement. Oh, encore une chope là qui est passée. A plus B. Boum, boum, paf. Voilà, il a pris un bon avantage. Maintenant, il faut le concrétiser. Ah, dommage, il avait whiffé le 3B. Il n'a pas pu punir A plus B parce qu'il était trop loin. Et la punition de la chope au relevé A. De round à 1 pour Sergent Jason. De A. 9 kick A. Voilà, pour l'instant, ça fait pas trop de dégâts de côté. BB, la chope qui est déchopée. Ça qui passe avec le 3 plus B. Je prends à chaque fois cette même face, Sergent Jason. 3A, 3, 6-6A, 3 plus B. Bien joué la chope là par contre. Il a pris un bon avantage. Oh, bien joué Just Guard avec le 6-6B derrière. Hop, et le 3 de la part de Harry pour terminer ce round. Un round partout. Là, ça va être compliqué. Si Harry gagne, Sergent Jason va se retrouver au pied du mur. 6-6 kick. Là, c'est eux qui va derrière. Allez. Oh, la chope qui a whiffé, qui est pas puni. Punition bébé là, hop. Oh, le 3B, 2-3-6-B, il aurait pu mettre la CE. Il a pas vu sa barre. 6-A qui a whiffé. Allez, la CE. Boum, 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 tac. Hop, il a tenté une arnaque avec la bombe derrière. Oh, la chope qui a whiffé. Oh, il a encore whiffé. Et là, il a quand même mis la chope. Et voilà, on en est à 9-2. Maintenant, ça va être très très compliqué pour Sergent Jason qui se retrouve maintenant au pied du mur. On en est à 9-2 pour Harry. Ça devient extrêmement compliqué. Non, on va pas sortir de la salle, on va éviter. Allez, on est reparti. 6-A. Bien joué le... Là, Harry, il a pris un bon avantage. Oh là là, comment il bourre. Là, il y a tout qui est passé. Bébé, encore une fois, la chope. Premier round. Là, il a gagné tous ses man games, Harry. C'est allé très rapidement. Oh, bien joué le 6-B. La punition, là. Oh là 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 là, il a bien fait whiffer. 2-3-6-B, voilà. Et on recule pour éviter de se prendre une arnaque bête. 6-6-A, 6-6-B, hop, boum, voilà. Le combo, ça fait très très mal ce combo. Hop, boum, boum, tac. Il a pas la CE, donc il va faire une bombe derrière. Oh, bien joué le A6. La bombe derrière, encore une fois. Relevé kick, c'est passé dans la garde, c'est pas puni. Relevé kick, allez, faut mettre AA, voilà, c'est ça. 3-B. Hop, la chop spé qui est pas passée. Et la bonne position, 2-3-6-B. Et alors là, c'est bientôt terminé. Harry qui mène par 2 rounds à 0.
6-6-6-A, la chope s'est déchopée, 2-3-6-B. 6-6-B, ça passe dans la garde, pour l'instant tout passe dans la garde. De côté, oh bien joué là. Hop. Oh voilà, c'est ce que j'avais dit, il faut mettre l'auto-G dedans. Alors là, il est en train de tout mettre là, là 6-A, et la chope de côté, c'est terminé. Victoire de Harry, bravo Harry, et ben voilà. Comme le dit Anoussak, ce fut ça va être rapide. Et victoire de Harry, 10 à 2. Et donc, si j'ai un message à faire passer à Charger Jason, bah, tu as maintenant, tu sais qui c'est, Harry, hein, c'est le mec qui t'a mis 10-2 dans la gueule. Donc, voilà. Donc, bah, encore une fois, on a un défi bah, qui...